Eh ben salut tout le monde, c'est Tiger Claw. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Uncharted Drake Fortune numéro 1, évidemment aussi en HD, aussi remasterisé sur PS4. Je sais, ça fait on va dire une semaine à peu près, que j'ai pas fait de let's play, que ce soit sur Uncharted ou sur les deux autres jeux qui sont en cours. Mais figurez-vous que je fais un grand changement dans la pièce où je travaille pour faire ces vidéos. Et donc, pour bien travailler, je me suis acheté pas mal de trucs, mais je vous dirai pas quoi. Hein. Je vous ferai un setup très prochainement quand j'aurai tout d'un coup. Hein, on va pas faire en moitié-moitié. Et donc, on va continuer donc où on était arrêté, c'est-à-dire au sanctuaire. Donc ça doit être au chapitre 13, je crois. Donc, le temps de chargement, il va être hyper un peu long, vu que ça fait super longtemps. En tous les cas, j'espère que vous allez super bien. Ouais. Ah non, c'est... Okay. Non, c'est bon, on y allons est. Voir dans ce monastère ce qui se passe. Alors, on y va. Où est-ce qu'on doit aller, chef? Est-ce que je suis équipé déjà? Oh, bah, 0 balles. Ah, bah, on va utiliser ça en attendant. Oh. C'est par là qu'il faut aller? C'est quoi ça? Mais si, oh. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à diriger le bordel. À qui le tour? Putain, ça se voit que ça fait super longtemps que j'ai pas joué quand même. Oh yes. Il y en a un autre, je crois, de mec qui est là-bas. Je prends ça ou je prends le... Attends, il y a combien là? 9 mm, il y en a 41. Ouais, c'est bon. Et on continue. Ok, où est-ce que je dois aller maintenant? Là, je peux pas y aller. Je me demande si c'était par là qu'il fallait que j'aille. Il y a une manivelle par là-bas. Non? Par là, alors. Non. Et pas par là non plus. Est-ce que c'est... c'est bien par là, il y a un pont. Il n'est pas qu'il faut nager là, non. Non. Et là de côté, on a. Il n'y a pas un truc à péter là, pour l'ouvrir. Ah bah si. Oh. Que je suis bête, et puis c'est tout, j'y arrive pas. Bon, allez, Léna, toi, t'es pressé ou quoi? Tu vas où comme ça? T'as un rendez-vous? Eh bah, attends-moi. Pourquoi il, du coup, ralentis, il vaut plus? Tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Allez, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh mon dieu! C'est dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe?
Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Ouais, très moche. Alors, là, on a été saqué, le gars, il est là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pièges comme ça aussi, j'oublie de... Et on continue. Il est là-bas. D'où ils sont tous? On va pas nous échapper. Reste bloqué. Bon, d'accord. Ok, ok, j'ai rien dit. Putain, attends, il me cherche en plus, hein. Parce qu'il y en avait un autre là. T'es où, papy? Ça sent l'emmerdement. Reste planqué! Ils ont des viseurs à infrarouge! Oh là là! Et maintenant? Putain, mais barre-toi, lui! C'est ça, je suis foutu! T'es mort! D'accord. Oh non, c'est pas ça qu'il fallait faire, monsieur. Oh là là. Putain, vite. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est que j'ai fait mal les choses. C'est qu'on a besoin d'une grenade. Ah là, t'es mort. Où est-ce qu'il est, l'autre? Vas-y, Lena a fait le boulot à ma place. C'est fini. Oh la vache. Là j'ai pu jouer un petit peu les cons là. En pleine tête. Attention. T'es mort. À qui le tour? Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. Et il a jeté son arme là-bas. Il est où son arme? Il est là. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a encore un là. C'est pas un mec ça? Merde. Ah. Les recharges. Lâchez le tour. C'est tout, il y en avait que deux. Non. Il n'y avait pas un troisième. Ah si, il est là. Je cache-cache, bonhomme. Il y a déjà 10 minutes de jeu. Putain, ça passe. Oh, encore une recharge. Donc on a 5. Ah maintenant, attendez. Pour moi, ça, c'est beaucoup mieux, ça.
Alors, il faut monter encore. Ah non, je croyais que c'était quelqu'un. Putain, il m'a fait peur, lui. Ah, c'est bon. Y'a personne par là. Oh, c'est calme tout d'un coup, c'est pas cool. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Ah, il est là-bas. Crève, bordel. Eh, c'est bon. Je le vois. Hop là. Et voilà. Crève, putain. Putain, j'aime pas les lasers, franchement. Putain, c'est calme comme jeu, quand même. 69. Il y en a un autre, là, je crois, quelque part. Oui, il est là, je rappelle, je sais quoi, c'est un désert? Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Nate, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi aussi. Toi aussi, t'as un mauvais pressentiment? On se tire d'ici. Oh putain. Où est-ce qu'ils sont? Oh là, ils arrivent en trompe. Est-ce qu'ils sont les autres là? C'est moi ou il y a des munitions là? Hey, merde. Où est-ce qu'ils sont? Bon bah Elena, je te laisse avec ces gentils bons hommes. Alors, voilà. Ça y est, on les a tous eus. Et là, tu tires encore? Ouais, donc ils sont de l'autre côté, en fait. Ok. Bah, tu vas être... Il fait chier, lui. Il y a un problème avec les... Toi aussi, tu dois être... Ça me reste plus grand chose, hein. Oh mon dieu. Quoi, mon dieu? Arrête de bouger, trou de balle! L'autre il danse à javanaise!
Voilà. Allez vous coucher, les enfants. Il y en a encore. Allez-y. Où est-ce qu'ils sont, dis allez-y. Eh, tu l'as eu? Non, encore la musique. Ah, regardez, je fais ça. Ah non, j'ai un problème. Bon, et les notes, on est où? Oh putain! Où est-ce qu'il est là? Ok. Eh, hey, t'es mort? Moi je vais me recharger hein. Et munitions Ah bizarre ça. Pourquoi il me fait apparaître un truc de munitions plus que Ah. Et un petit défaut de jeu les enfants hein. Là. Ouais ben. Faut le trouver hein. Allez non, tu viens. On monte. Oh, c'est quoi ça? Oui, il y a un joli petit joujou là. Sympa. Je suis occupé. Laissez votre message après le bip sonore. Merci beaucoup. Je suis pas là. Merci beaucoup. Au revoir. Elena, tu fais quoi? Tu glandouilles quoi là? Eh, tu dors? Par ici! Quoi par ici? Amenez-vous! Bah, tu sais, y'a personne alors. Je crois que t'es tout seul hein. Ah, je vais peut-être en avoir besoin, c'est pour ça qu'il me le montre. Ça pourrait être utile. Ça, c'est un cul-de-sac. Ouais, et donc on va faire quoi, Jaco? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Quand on était dans l'angle comme ça. Et là. Ici, bienvenue chez Tomb Raider. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, déjà là, on peut pas y aller. Oh lolo. Ok. Faut aller là, non? C'est moi ou je suis bloqué tout d'un coup? Eh ben on va revenir à là où on était hein. Là c'est un cul-de-sac. C'est là qu'il faut aller ou quoi là?
Oh là, ah non, c'est pas là qu'il faut aller. Là, il y a un problème. À mon avis, s'il nous fait venir par ici, c'est pas pour rien. À moins que... Ah, d'accord, par ici qu'il faut aller. C'est impossible de passer par là. Holo, qu'est-ce que tu nous fais là, petit Drake? Tu nous fais un peu nerveux là, tu fais me casser la figure. Puis là, si je descends, il se casse sa gueule, non? Ah non. On peut pas le faire. D'accord. En fait, ça sert à rien. Là, il y a un truc qui brille. Hein. Les munitions qui traînent là, on sait pas pourquoi. Là. Nous avons un trésor. Et donc ça veut dire que je suis bloqué, c'est ça? À croire que oui. Et on fait comment pour remonter les enfants? Non, je peux pas y aller. Bon bah attendez, il y a un problème là. Je suis bloqué. Bon bah vous savez quoi, normalement je vais faire un renouveau depuis le début. Et on se retrouve après. Alors salut, j'ai trouvé l'astuce en fait. C'est pas très bien compliqué en fait, c'est moi qui ne sais pas, c'est tout. Il faut tout simplement descendre comme tout à l'heure, donc on n'était pas bloqué. Et il faut faire ceci. Bien joué. Merci, Nana. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas ouvert la porte, parce qu'on a besoin d'elle de l'autre côté. Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Ah, c'est sûr, tu le dis, toi. Ah, t'arrives. Ramenez du temps. T'es prêt? Bon, tu peux lâcher. Doucement. Oh, j'ai dit doucement. Allez. Ah bah voilà, ça t'a pas compliqué. Oh putain, là ça sent la merde, hein, attention. Oh putain, oh putain, oh putain.
entendu. Ah là. Mais c'est lui qui me fait chier. Là. Tiens, prends ça. T'es où toi? Attention. Oh, plein dans la tronche. Putain, t'es pas mort. Ouais, j'ai eu peur. Mais non, j'ai pas pris au piège. Voilà, vous faites la fête, moi. Il y en a encore ? Et non, elle était dans le coin par là, pourquoi ? Elles sont là-bas. La bibliothèque par là. Bon, inutile. Alors, de passer par la grande porte. Je vais faire Cherchons des mines. Un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Je vais charger mes munitions. Et ni munitions, monsieur Niam, mes munitions. Toi, t'as quoi? Toi, t'as rien à proposer? Toi, t'as quoi? Des recharges. C'est tout? On a fait le tour. Ah, une grenade. Ah, encore une grenade. Ah, ils sont bien cachés, hein. J'avais pas vu. Hein. Ah, trois grenades. On a rechargé un bloc. Ouais. Alors, on va faire notre. Je continue parce que je sais pas combien il y a eu de. Morlina, dégage. Merci. Juste pour savoir si j'ai pas oublié des gens. C'est fait. Ça c'est des racines. Donc ça là c'est là d'où on vient. Donc c'est là la bibliothèque. Donc on peut pas y aller. Travailler dans un petit bar aux Philippines. Oh mec, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme, hein. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus ce qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mine-toi, hein. Le chef, il a pas que ça à faire. Hé, hey, là-haut. Salut.
Oh non. Oh putain. Ah, c'est bizarre parce qu'ils étaient deux. Ils étaient deux et t'as tous ces gens là qui arrivent. Oui, c'est sûr qu'avec ouais, le truc qu'il faudrait faire en premier. Je sais pas. Les snipers là. Là, ils ont tout pété, aucun respect. Voilà, ça c'est fait, en plus il s'est fait voir, il croyait que j'étais derrière. C'est qui arrête pas d'envoyer des grenades là? Attends, je le cherche, il est où, bêtard? Bouge pas, je t'aurai. Ah merde, c'est les noces, si je tire sur les noces, ça va pas le faire non plus. Hein. C'est bizarre, mais il est où? Allez. Ah, enfin, il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que
Tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que j'aurais préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle. Ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas, Célé. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, d'accord. Ces statues sont étranges. Ah. Bah, allons voir. Ok. Encore un indice. Enfin, un indice, une devinette, on va dire ça comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y a des noms sur les statues, là. Matt, je sais pas quoi, faut le mettre dans le, au nord. Ouais, d'accord. Alors, ouais, c'est ces statues-là. Non, on peut pas monter par là. On peut pas monter. Mais j'ai compris, merci. Attendez, on va faire un peu de... On va monter. Ah là, j'avais bien qu'il fallait monter. Alors toi, c'est... C'est au nord. Ok. Ah bah c'est bon. Ok, donc ensuite... L'aigle. C'est ça, monsieur l'aigle. Est. Je pense que c'est ça, si je me trompe pas. Cherche encore dans le journal. C'était quoi déjà? Le lion. Alors, le lion est mort. Attendez, parce que les dessins sont un peu bizarres. Fais voir l'autre, ça représente. D'accord. Je pense que c'est. Ouest. Alors, fallait peut-être pas les bouger les deux premiers.
Je vais aller voir. Oh, je vais revérifier. Allez, mange-toi, Nate. Ils vont pas tarder à se rendre compte que quelque chose cloche. Arrête de m'embêter. Est. Non, c'est pas ça. Oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Fallait laisser comme c'était, en fait. Fallait le mettre au nord. Ah. Attendez, veux voir l'aigle? Est. Alors, on va revérifier. Alors là, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, c'est un prénom de John, c'est ça. Alors, faut qu'il doit être tourné vers l'ouest. Donc, comme tout à l'heure, en fait. Voilà. Là, on a la dame. Bonjour, madame. La dame. Ma quoi? Mathéo, c'est ça, Mathéo. Vers le nord. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un tolo? Ah oui, le tolo. Oui, joli le tolo. El tolo. Alors le taureau. Comment différencier les taureaux? Ah oui, c'est Luc. Fou lolo. Luc vers le sud. Voilà, en fait, je me suis trompé à un moment donné, c'est tout. On y go. Et moi j'y go. Hein. Oh, encore une bibliothèque. Ok, bah, ouais. Quoi encore? Quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Ouais. Encore une énigme en fait. Oh, oh putain, c'est pas possible. Bouge-toi, Sully. Ça me dit quelque chose. Pas un truc qui bouge. Hein. Ça a l'air prometteur. Ok, laisse-moi voir. Ouais. Ok. Vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate, sois prudent. Voyons, je le suis toujours. Oh, j'avais pas vu ça. Ah. Oh. Eh oui, c'est ça. Il fait comment pour sortir, sinon? Ok. Ah, eh ben c'est bien. Me voilà. Eh oui, tu sais quoi mon petit Drake, on va arrêter là pour cette fois-ci, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire sur la vidéo, et aussi de vous abonner, de faire abonner vos proches, bien entendu. Et tout de suite, c'est l'outro. Salut tout le monde, c'était Tiger Claw, moi j'enchaîne avec l'épisode 14, salut.